Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo après un peu plus d'un mois d'hibernation. Je viens de récupérer ma trottinette de chez Imo Service. Particularité de ma nouvelle trottinette qui est une base de Raptor. J'ai fait installer les pneus chambre à air, moteur 1600 watts, donc au total 3100 watts. Et avec un kit de frein neutre en disque 160. Je vais aller tester tout ça. Je pense que ça va me changer du frein tambour que j'avais à l'origine et des pneus gomme dure sur la Raptor. Je vais accompagner Sylvain parce qu'il a des mèches à acheter. Sylvain, le PDG, président directeur général de la boutique e-move Service, qui m'a gentiment aidé à faire cette préparation. Donc merci beaucoup et j'espère que l'on aura l'occasion d'accomplir d'autres objectifs ensemble. Il a sorti sa Spider Full Custom. Go Bricorama ! Ouais. Il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps, il est pressé. Sorti le casque Rurock. Ah, je l'avais déjà. Feu vert. Ah ouais, ça change. D'autant plus que, au-delà des changements des moteurs, j'ai installé les tiges vertes pour assouplir la suspension. Donc on est vraiment un peu plus confort comparé à la Raptor. Je te suis. Bon, le freinage. Ça roule. Le freinage, il est bon. Il est très bon. Il m'a demandé si le freinage était bon. Et oui, il est bon. Hein. Le kit freineur pour ces petites trottinettes gabarit compact, c'est largement suffisant. À gauche à personne. On va attaquer la montée. Qui n'hésite pas à solliciter sa gâchette. Ah ouais, les freins répondent très bien, hein. Les nœuds hydrauliques. T'inquiète pas. Alors ici on est dans le sud de Paris, dans le 9-2. Il me semble que c'est Robinson ou Plessis Robinson, un truc du genre. Il y a du beau monde, aussi bien côté automobiliste que piéton. L'objectif c'est d'arriver à la boutique Bricorama. Il
c'est juste là en fait. Ok. Bon, mission accomplie. Hein. C'est parti pour Bricorama. Ouais. On va enlever ça, sinon ils vont avoir peur. Ouais, pose ton casque. Ouais, pose ton casque, je surveille tout, t'inquiète pas. Les mèches à métaux. Je vais vous montrer pourquoi il est allé acheter ça. Parce qu'il doit préparer un petit bolide. Équivalent vélo, draisienne, scooter. Un combiné de ces trois moyens de locomotion. Je t'en prie. C'est parti. C'est parti après le feu rouge. Oh là là, quel cycliste. Il y en a peu qui freinent au feu rouge en vélo, en trottinette. Confort avec ces nouveaux pneus, en ayant des freins avec plus de mordant, on est plus en sécurité, c'est sûr et certain. Les trottinettes de gabarit petit et moyen comme celui-ci et comme la sienne, c'est amplement suffisant pour la ville. On est en descente. C'est parfait, ça préserve l'autonomie, la batterie est moins sollicitée. On se laisse aller. On anticipe les feux. Là c'est où? C'est tout droit? Ouais. Il y a tout droit ou il y a deux chemins mais... Tout droit et puis à gauche. Plus bas. Non, plus bas, on va toujours tout droit. Là, on descend. Là, c'est toujours tout droit. Ouais. Ok. On est bien en virage. On se laisse aller. La descente nous facilite. Il y a pas mal de vent. Faut bien s'accrocher. Aïe, il a pris. M'attendre, il est sympa. Au moins je peux baisser mon PA à zéro quasiment. Je l'ai laissé à 2 pour avoir un petit soupçon de frein régénératif, mais à vrai dire je sais pas si ça fonctionne réellement, le fait de freiner et que ça puisse recharger un petit peu la batterie. J'y crois pas des masses, c'est pas ce qui fait l'autonomie. Petit chemin. Alors attention, ralentisseur. Qu'est-ce qu'il me montre? Une espèce de lac ou de fleuve, je sais pas ce que c'est. Le lac de Robinson.
ralentisseur. Il les prend bien, hein. On est confort. Hein. Trop vite apparemment. Oh là là. Ouais, ça marche bien. Ça marche bien ces freins. Ah. Franchement, ça marche bien ces freins. La combinaison neutre et Raptor, c'est sympa. Je t'ai dit, ces freins-là, c'est de l'amour. Hein. Ouais, très satisfait du montage. J'aurai l'occasion de vous présenter les détails dans des futures vidéos. Et voici là le nouveau bolide que prépare Sylvain. Je sais pas comment on pourrait appeler ça, un vélo draisienne, scooter électrique, un hybride électrique. Non, c'est une draisienne. Une draisienne hybride électrique. Non, quand je dis hybride, c'est draisienne. Draisienne électrique. Là, je suis en préparation. Voilà. Yes. Donc dans une prochaine vidéo. Ah, mais la prochaine fois que tu passes. Lorsqu'il aura terminé sa préparation. Ouais. Petit aperçu. Ouais. Petite place à l'arrière. Bon, à bientôt les amis. Ciao, ciao.